dans le cadre du partenariat avec Saïd, c'est qu'on va avoir deux places. Donc aujourd'hui, on a sélectionné des joueurs. J'ai vu Charlotte en concentré, la vue il est concentré. Hein. Mais ils ont montré de très très belles choses, donc ça fait plaisir, ouais. Franchement, c'est bien. Et ben, il est le plus rapide de la journée. Il y a une seconde d'écart. 3-4-3-4, incroyable. Et c'est qui les sélectionnés alors? Les sélectionnés, bah il y a Tahar, il y a Charles, dire. Et il y a Lucas. Charles, Tahar, Lucas, ça sera une fois. Demain, quand vous allez venir au showcase, ça va être dur. Le niveau, il va être beaucoup plus élevé de ce que vous avez vu à Lyon. Parce que là, c'est une sélection nationale. Donc il y aura des joueurs qui évoluent en U17 NAS, il y aura des joueurs qui évoluent en 17 R1, R2, R3. Si on vous a fait venir, c'est qu'on estime que vous avez ce niveau-là. Mais il faut le montrer. Il faudra montrer deux fois plus que les autres. Vous avez une chance de fou, je vous en dis là. Ah ouais? Bah ouais, c'est magnifique. J'ai joué. Le match vient de commencer, ne perds pas tes ballons. Tes qualités, c'est quoi? C'est simple, faut qu'on voit faire ça. Demande le ballon avec le camp, mais avec l'argent aussi. Je pense que j'essaie de pas trop leur mettre le match dans la tête. De toute façon, ils sont sur un terrain de foot, ils savent qu'ils sont là pour ça, donc on est obligé de leur dire. Qu'est-ce qu'il a notre? Il a ramené toute sa garde-robe. Oh, c'est incroyable cette histoire. C'est comme la porte ou quoi? On dirait les reportages, les téléfoot et tout là. Oh, allez, suivez-moi les gars, où je vous emmène. Deux mois, il a pas dormi. C'est du ski ça? Ouais, ça va tuer le. Ça tue le genou, hein? Ouais. T'es en forme? Bah, je suis fatigué aussi. Hein. Wow. Moi, c'est 304, c'est là. Moi, ça rentre pas, y a un problème là, je crois. Hey, c'est pas qu'à la crise là. Je fais être quoi là? Tu seras tranquille là? Non, tu t'es trompé. Ah ouais? Sûr? Bon messieurs, dormez bien. Bonne nuit, à demain. Mika, je t'en prie. Allumez la lumière, c'est gratuit. Vous avez. Là c'est à l'angle. Là t'as pas beaucoup dormi toi non? Si. Ça va? Et allez moi je vais envoyer une tradition. Hein. Oh. On dirait même pas on est à Paris. Salam, salam, tu vas bien? Team flag picture number 10. Merci beaucoup. Ciao. J'attends. Viens nous chercher là. Attends. C'est tout un truc de la soirée. Je me reconnais. Non, on va voir, on les sent bien concentrés. Sérieux, il y a l'air d'avoir beaucoup de niveau. Il y a beaucoup de joueurs de la région parisienne. T'as des joueurs qui connaissent un peu le circuit du monde pro, qui sont pas encore entrés dedans, mais qui le connaissent de près. Et ils viennent tenter leur chance pour intégrer un centre et réaliser un rêve qu'ils ont.
Et on repasse. Réfléchi, excellent. On met beaucoup d'intensité, beaucoup de courses, beaucoup de com pour que ça aille vite et qu'on soit bon. Allez, mettez-vous en mouvement rapide là dans le rectangle sportif. Regarde. Il y a des bons joueurs. Il y a un vrai bon niveau. Réagis. Ouais. Bien joué. On avance. Allez, un. Ah, il s'est fait mal tard. Qu'est-ce qu'il a ? Il s'est fait mal tard. Viens. Si, on va trouver ça. Non. Parce que là, ça va frotter, là. Mais ça va te servir. Ils vont voir, putain. C'est un guerrier. Putain, c'est un guerrier. Oh, t'as lâché. C'est de la peau, ça ? Wow. Ouvrez les blancs. Pas normal. Normal. Donc bien, est-ce que tu vas te faire soit un petit peu plus dans le cœur du jeu pour toucher plus de bombes. Ouais, j'ai peur que ça l'handicape un peu. Il a quand même un jeu de dribble, de protection de balle. Mais je pense que ça va l'handicaper, ouais. Ça fait mal ? Ouais, sur les appuis longs, ça fait mal. Ouais, il marche un peu. Ouais. Qui largeur ? Qui largeur ? Pourquoi il fait ça ? Après, il était caché, là. Oh là là, il a posé une galette, hein. Il est trop dans la prudence, comme on lui a dit, tu vois. Ouais. Là, faut lui expliquer, ça y est, les trois ballons, ils sont passés depuis 2 heures, tu vois. Là, c'est bon, l'histoire des 3 premières touches. C'est passé, vous êtes mis en confiance, vous avez été bien, vous avez rien loupé. Tu passes un entretien, il faut mentir. Charles, pareil, il y a plusieurs fois, faut que tu demandes plus, tu vois. Faut que tu sois cramé à la fin de la détection. Et si t'es pas cramé, c'est que t'en avais encore sous le pied, tu vois. Je vous ai vu, hein. C'est vrai que vous avez couru, mais après, est-ce que tout était bien ? Je sais pas, mais je pense que ça va être mieux cet après-midi parce que vous allez monter crescendo et que vous allez prendre la température de ce qu'on est en train de faire. Et je vous sens motivé. Je vous sens motivé à faire quelque chose de fort aujourd'hui. Moi, le conseil que je vais vous donner, simplicité. Être le plus simple possible, le plus détendu possible. Faut jouer comme tu joues chez toi, faut pas forcer le jeu. Quand tu vois que tu dois pas dribbler, ne dribble pas, fais la passe. Donc profite à faire jouer ton équipe, à faire des efforts sur tes courses, fais-en plein, joue juste. Parce qu'en vérité, c'est ce qu'on regarde. Merci beaucoup, c'est moi qui te remercie. Pour les petits conseils et tout, ça va bien compter, ça. Bah, j'espère pour vous et bonne chance à vous. Merci beaucoup Raymond. T'es un sacré dribbleur, t'es un sacré joueur, t'as tout ce que t'as. Aujourd'hui, c'est un jour. Pour toi, c'est le genre de jour où il faut que tu sois présent. T'as commencé, tu te sens comment par rapport à ce matin et ta blessure ? Normal, hein. Très sport. Je vais pour s'amuser, on verra. Ouais, je le sens bien pour l'instant. Moment fatidique, je suis un peu stressé quand même. Sur chaque touche de balle, on va espérer qu'il fasse le bon choix. Mais stressé, c'est normal. Il y a des gros clubs, hein. Il y a même un très gros nouveau club qui vient d'arriver. Mais t'imagines que grâce à ton sœur, application gratuite, bah tu joues, t'es pas forcément pris, mais tu joues devant des clubs pro. Ça semblait inimaginable il y a quelques années, donc félicitations à ton sœur pour ça. T'as pas de micro, mets-toi un thé. Et il te réchauffe le cœur en plus, celui-là. Bien joué Charles, voilà. Ah là je reconnais Charles. Oh il se replace, humain, c'est bon, c'est magnifique. Voilà, ça. Fils d'info. Oh il parle. Mais c'est pas Charles. Voilà. Ouais, t'as vu une passe D. Et voilà, Raymond il a tout compris. Ça c'est un vrai joueur, voilà. T'en fais trop, là. Ah, s'il est capable de la donner derrière, tu vois. Il avait fait un sacré taf, hein. Mais c'est du tard dans le texte. C'est dommage. Je vous sens silencieux, là. Non. On observe, nous. Très, très observateur. Allez, très belle passe, là. Tout de suite, ce serait bien. Joli pas de gauche.
Julien de décrocher. Allez, Charles. Quel poste il joue? De base 10, mais là 8. Il est ni 8 ni 10. Il est vachement bas. Il apporte rien offensivement. Regarde, il est trop bas. Bien joué les deux. Bien joué, Tar. Très bien. Très bien, Tar. Enfin. Non, c'est, non, en vrai, c'est un sacré joueur, mais ouais. Dès qu'il comprendra qu'en 2-3 touches, ça suffit, il va exploser. C'est ce qui lui manque pour être vraiment le joueur, quoi. Après, des joueurs comme ça, il y en a, mais c'est parce qu'ils ne font pas les bonnes choses sur le terrain. La zone dangereuse, elle est dans la surface, hein, elle n'est pas. Très bien. Bien joué. Fais marquer Charles. Ouais, parce que là, tu vois, t'as qu'un seul défenseur, parce que personne ne sait défendre sur le corner adieu. Là, c'est but sûr. Raymond, voilà. Écoute, voilà. Un peu. Non, mais Raymond, écoute. Il n'y a rien de compliqué. Moi, ouais, je vous écoute, mais. Allez, je regarde le tableau d'affichage, il n'a pas bougé. Ouais, mais sur un corner simple, on aurait pris un peu. Ouais, mais regarde. Ouais, il a très mis. Je t'en veux pas, j'étais comme toi en 2016. Je voulais pas entendre parler de corner à deux. Donc, tu insinues que je suis l'ancienne version. Quelque chose. Ouais, t'as. Je sais pas. Pourquoi pas. Bien, bien. Charles, il est passé 6. Ouais, mais je sais pas ce qu'ils font. J'aime pas ces talonnades, moi, comme ça. Moi, je déteste ça. Tant que c'est efficace. Ouais, mais c'est... Si, c'est la bonne surface. C'est pas efficace, là. Si, ouais, non. C'est le joueur qui l'a mal joué. Elle a atterri sur un joueur. Bien défendu. Il est bon, ça, quand même. Oh, la puissance de la fin. Griezmann sans la teinture rose. Ouais. Va de l'avant, va de l'avant. Oh, ouais, très belle sortie. Sortie gardien d'Argentine, 122e. Pas mal, bien. Le 5 blanc, il y a quelque chose. Bien joué, ouais, pas mal du tout. Après, c'est toujours de sortir. C'est dommage, hein, parce qu'il a un truc, mais il s'en sert mal. Parce qu'il a de la qualité en plus. Tu lui mets un cerveau, je pense qu'il est très très bon. Ouais. Bon, t'as raison, c'est pour la talonnade de tes joueurs, dis-leur d'arrêter. L'aile, elle est restée bloquée. Ouais, elle était restée bloquée. Là, ça fait un an et demi, on voit ça, on en a marre. C'est le KFC, là. Ouais. Là, tu peux plus rien faire, là, c'est bon. C'est pas son registre, lui. Ouais, mais on te demande pas de récupérer le ballon. Hein. Là, regarde, là, attends-le, là, tu vois. T'inquiète pas, Raymond. Tu as gagné, on fait un amitié la semaine prochaine. Ouais. Allez, t'as gagné. C'est ça que tu voulais, c'est bon. Bien, t'es en U16-R2, toi. Ouais. On fait un amitié ou pas? Quand tu veux. Regarde, oh, déjà, contrôle du menton. Je le connais pas, celui-là. Non, ça, il gagne la faute. Ça, je connaissais pas ça. Si le ballon il vient fort, tu gonfles la joue. S'il vient bien doucement, tu fais ça. Ça, c'est bien. Tu vois, pour des joueurs qui se connaissent pas comme ça et tout. Ça, c'est super. Coup franc tiré à deux. Magnifique, on connaît, c'est un classique. Très bonne passe. Non, bien vu. Allez. Dommage. Oh, dommage, l'idée. Tout est bien. La passe du 10. Ben, c'est ça que j'aurais voulu voir du 10 noir, de l'activité. Tu vois, regarde, même dans son champ d'intervention, on sait pas, c'est pas clair en fait. Mais on verrait, c'est dommage parce qu'il a un pied, ça se voit, tu vois. Voilà. Vas-y, encore, maintenant il faut transmettre. Ça peut t'arriver à toi aussi qui regardes cette vidéo. Si tu veux le faire, tu as juste à télécharger l'application. C'est dans la description, c'est totalement gratuit. Tu dois avoir 13 ans et être licencié dans un club de foot. Et ensuite, l'avenir t'appartient. Tu mets tes vidéos, tu mets tes statistiques, tu mets tes données d'homme du match et tu vas être dans une division. Tu vas commencer dans la plus basse division. Et grâce à tes bonnes performances, tu vas monter, un peu comme le mode carrière sur FIFA, jusqu'à arriver au Graal, la zone des recruteurs. Et là ensuite, ton sort s'occupe de tout. Ils te mettent en relation avec les clubs, ils t'invitent au showcase. C'est gratuit,
Et si tu tapes dans l'œil des recruteurs, tu peux réaliser ton rêve, parce que je sais que ton rêve, c'est de finir footballeur professionnel. Donc bonne chance à toi, télécharge l'application dans la description. Et petite dédicace à un abonné, Otiniel Pembele. Il vient de Tonsor aussi. L'année dernière, il jouait en U13 D4 et il a intégré le centre de formation de Caen qui l'a repéré grâce à Tonsor. Il jouait en D4. Donc grosse dédicace à lui, je sais qu'il regarde. Et ce sera peut-être toi le prochain, j'espère. Bon, des freins à main là, il faut y aller. Il faut jouer, il faut se parler, il faut créer des choses, il faut qu'il se passe un peu plus de choses. Tard, tu cèdes ta place à Amen. Il fait une bonne première mi-temps, mais il y a 2-3 fois où il peut lâcher ce ballon un peu. Mais je les trouve intéressants. Charles, intéressant avec le ballon, sans ballon, il manque de course, manque d'activité. S'il faut que tu le dises au 8 à chaque action, monte, je reste, ou toi, monte, je descends, fais-le à chaque action. Allez, Carlos. Tu vas avoir un autre numéro 10 normalement là. C'est un diesel lui. J'ai vu que tu as mis en aparté, que tu as discuté un peu avec lui. Ouais. Non, moi. Déjà il vient chercher le ballon. Il est trop neutre. Pour moi, c'est un 10, ça doit envoyer quelque chose. Il est trop neutre. Viens, t'es dedans. Oh, sacré tard. T'as vu, c'est pas méchant. Tu l'as vu combien de fois le 10? Ah ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Regarde, c'est pas méchant. Il est très inactif, ouais. Il rate totalement sa détection. Ouais. Ouais, il passe pour un joueur lambda, quoi. Bah oui, après qu'il ait du talent. Toi, tu l'as toute l'année, donc tu peux voir tout ça. Ouais, il rate son attitude. Il rate sa détection. Sors dessus, sors dessus. Oh là là, ouais, non. Avec ballon, sans ballon. Non, il est cata. Catastrophique. Tard, il a fait 30 bonnes minutes, toi, Tard. Hein. C'est dommage qu'ils l'ont coupé dans l'oreille. Hein. Oh, il a trop bien joué le coup. C'est croisé, ça. Ah, c'est croisé, ça. Des mauvais choix, de course et tout, des mauvais choix de placement. Ils sont tous entre R2 et U17 NAS. Sauf qu'à cause de la série, il est cher starifié ce gamin. T'arrives dans un endroit, une détection comme celle-là, t'es censé être l'outsider en gros. T'es un joueur qu'on calcule pas. Il s'est levé ce matin, 7h du matin, il y avait déjà une caméra dans sa chambre. Il a pas pris un petit déjeuner normal, il s'est levé, tu sais, ça le filmait comme ça et tout. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu vois, les autres joueurs, au lieu de se dire. Lui c'est un petit, on va bien jouer, très bon retour là. Ouais. Bah non, c'est même l'attitude, elle me paraît bizarre un peu, tu vois ce que je veux dire. Franchement. On va le booster, je vais le booster. T'es scruté à la loupe. Eh, ils vont pas s'arrêter. Le 15, il est impressionnant. Incroyable. Va dans la surface. Encore plus propre. Non, il est pas dedans. Tu l'as perdu. Quand je lui ai dit, t'es chaud, t'es prêt. Vous sentez comment? Vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr? Tu sens qu'il est pas chaud, qu'il est pas prêt. Mais. Elle est des pigeons. Non, elle est des KFC. Une boîte de wings, s'il vous plaît. Ouais, c'est un bon aussi. Là, il a une bonne chemise. Ça va. Regardez. Vas-y. Et continue! C'est une vérité. T'as combien? Tu vois? Bien joué! Bonjour en face. Ah, c'est revenu sur lui, Pélo, comme un adulte. Hein. C'est la copie conforme. Hein. Bah ça, tu vois, ça va mettre Charles en confiance, tu vas voir, regarde. Ça, là, tout à l'heure, il courait même pas derrière un joueur. Là, il court pour mettre le ballon au milieu. Ça s'ouvre pas. Tu vois, il commence à parler maintenant. Regarde, il va plus haut et tout. Voilà, tu vois, ça change. Il est métamorphosé. Regarde, il lève la main, Pélo, il est métamorphosé. Regarde. Les gars, là pour l'instant c'est trop neutre.
On dirait vous jouez rien. On dirait c'est un match où on est là avec des potes et on est en train de s'éclater. On s'est trompé pour pourquoi on est venu ici. On doit avoir toutes ces sensations qui font qu'on a envie de mettre une pièce sur vous. Là, il y a des mecs qui sont venus voir des gamins et qui sont prêts à mettre de l'oseille sur eux. Mais qui va mettre des pièces sur nous si on ne fait pas ce qu'il faut? Remettez un coup de boost. Boostez-vous. 30 minutes d'une carrière, c'est que dalle. Si en 30 minutes, je peux changer ma vie, mais je le fais tous les jours. Et là, il s'agit de faire les choses. Hein. L'attitude, le caractère, l'état d'esprit, totalement différent. Rentrer avec l'état d'esprit. Parce que si je revois ça, là, moi, je coupe le match plus tôt. Je laisse pas plus de 5 minutes. Il y en a qui sont venus de Lyon. T'as fait tout ça de trajet pour ça. Non, défonce-toi. Défonce-toi. J'ai pas mal, j'aurai mal dans une demi-heure. Après, quand je serai dans le vestiaire, si je dois pleurer, je vais pleurer dans le vestiaire. On peut changer sa vie là, en 30 minutes. Profitez-en. C'est maintenant ou jamais. Après, ça part. Hein. C'est pas éternel les opportunités. Tous des bons joueurs, vous avez déjà passé 2 étapes. C'est énorme. Faut pas gâcher la 3e. Allez les gars, à fond. Marquer des points en première mi-temps, c'est bien. Encore. Tard, il avait fait une bonne première mi-temps, 30 bonnes minutes. Je trouve sur la deuxième mi-temps, il a manqué un peu. T'as surtout pas envie de l'avoir en face de toi. Très bien. On a gagné là. Tu vois, on le remarque là, t'as. Voilà, bien demandé. Bien joué, t'as. Suis. 21 roues, tu vas. Grosse fesse là. Non, mais lui, c'est vraiment l'imbécile. Ah, lequel? Ah, ouais, pourquoi? Parce qu'il a des grosses qualités. On va te pousser, mon petit. C'est normal, ça. Ça te plaît pas, Raymond, ça, quand il s'arrête, hein? Je déteste un joueur qui s'arrête. Bah, je pense que c'est pas un problème de niveau, parce qu'il y a des très bons joueurs, mais on l'a déjà vu jouer à ce niveau-là, tu vois. Mais c'est tout le reste. Problème d'intensité, je te réponds vite. Oh, prise de balle très intéressante, et ça finit par un but. Fini là. Ah, la prise de balle, mec. Il a fait une bonne détection, Tar. Tar, surface, Tar. Non, commence pas. Le football, ça s'arrête pas là, et c'est ça qui est bien, donc... Vous allez repartir après dans vos clubs respectifs. Et l'idée, c'est de poursuivre encore cette formation. Vous êtes encore jeune. Il faut essayer d'être le plus près possible pour ce type d'événement. Si c'est votre rêve d'être footballeur, c'est du taf. Voilà, footballeur, c'est devenu un métier. Donc si on n'est pas prêt à faire ce métier, c'est vachement compliqué. Courage pour la suite. Que votre rêve continue et que vous gardiez plaisir à jouer au foot. Vous avez encore plein de belles années devant vous, alors continuez à jouer au foot pour le plaisir, c'est important. Là, je sais que t'es en train de regretter. Ta posture le dit, ton visage le dit. Faut se faire mal. Je pense qu'il y a de quoi faire si 16 ans, vous avez de la marche. Les gars, on veut grec, non? Les potes, c'est destructeur. C'est bien d'être avec ses potes. Demain, match, grec à 23h. Ouais, t'inquiète, y'a pas de soucis. Tu t'étonnes après pourquoi t'es éclaté dans le match. Croyez quoi, vous? Quand Benzema est là, match, à 8h, il est au lit. Copiez les bonnes choses, vous copiez les chaussettes. Mais vous ne copiez pas tout le travail qu'il y a à faire. Voilà. Tout ce qu'on copiait, tout ce qu'on n'a pas vu, bah, ils sont partis dans le chemin de la réussite. Voilà. La dure réalité, elle est là. Je vous souhaite beaucoup de courage dans votre vie, en tout cas. Merci. Ne baissez pas les bras parce qu'il n'y a rien. Et il faut juste dire et être conscient de ses qualités. Boss, sois plus fier déjà. Je ne veux plus te voir la tête baissée comme ça. Donc,
t'as pas perdu, hein, t'as gagné. Aujourd'hui, t'as gagné une leçon. Parce qu'il faut apprendre, comme un enfant. Il faut tomber pour pouvoir marcher. Là, t'es tombé, demain, tu marcheras mieux, t'inquiète pas. Là, il t'a fait un exo spécial contre les deuxièmes du championnat. C'est vraiment pas mal du tout, en vrai. Hein. Je suis bien. Ouais. Et je sais que ça va les motiver pour la fin de saison, donc merci les gars.